Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Caen. Regardez, la ville de Caen. Je suis en plein centre-ville. On va faire une petite promenade. Tout ensemble, je vais vous faire découvrir la ville de Caen. C'est pas mal. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Un peu de soleil. Aujourd'hui, il fait beau, il pleut pas, il fait beau, il faut en profiter pour sortir, marcher, prendre l'air. Allez, c'est parti. Je suis au château de Caen. Aujourd'hui, on va faire une balade à Caen. Tranquille, il fait beau, un peu de vent, mais on est bien. Hey. Il doit bien entendre. Coupe là. Bon, allez, c'est parti. On va faire un petit tour. Et voilà. C'est pas mal, mais ça sent un peu mauvais. Danger, on risque de chuter. Ok. Bon, on va aller par là. C'est mieux parce que là, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller partout. Faites attention de ne pas te prendre la cheville. Les marches, ils sont raides. Hein. C'est pas grave, je pars faire du sport. Oh, ça, c'est pas mal. Une petite pause et on apprécie. Voilà, ça c'est un canon. Bon allez, c'est parti. On va continuer notre petite balade. C'est profond. Donc, nous sommes à l'église de Caen. On vient juste de rentrer.
C'est beau hein, quand même. C'est calme, ça détend. J'espère que la visite vous aura plu. L'église de Caen. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes sortis de l'église. J'espère que l'église vous aura plu. Il est immense. Il est vraiment immense. Donc, j'ai un petit peu faim, donc j'espère que je vais trouver à manger. Il est 2h30. C'est même pas sûr que je trouve quelque chose. Donc bah voilà, nous sommes en plein centre-ville de Caen. On va faire une petite balade. On a le temps, on va pas précipiter, on marche tranquillement. On a tout le temps, on a toute la journée. Bon bah voilà, on continue notre petite balade. La journée est longue, on a beaucoup marché et on va continuer à marcher. Donc là, on va continuer à faire notre petite balade. Voilà, nous sommes en plein centre-ville. On continue. C'est parti, on y va. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Bon, allez, c'est parti, fini. Ah, c'est parti. Et voilà, nous sommes à Caen. Et là-bas, c'est la mairie. La mairie, elle est immense. C'est immense, il y a de la place. La mairie, elle est immense. Il y a de la place. C'est magnifique. Beau jardin. Pas mal. Bon, il manifeste, mais je sais pas pourquoi. Ah, pour le pas sanitaire. D'accord. Ok. Bah écoutez, il y a du monde, hein. Voilà. Bonjour. Donc ici c'est la spécialité breton. C'est la spécialité bretonne.
C'est pour ma famille. On va goûter ça en famille. Bon, allez, nous, on va chercher la spécialité Calvados. À Normandie, vous avez du coup les caramels. Okay. Vous avez ici la turgoule. La turgoule, c'est une sorte de riolet. C'est d'accord. La turgoule. Okay. C'est une sorte de riolet que fait ici, donc c'est traditionnel. Okay. Et tout ce que vous avez en sucré, donc sablé, etc. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et puis après, on a aussi des produits salés. Ok. Donc ça va être plutôt terrine ou les tripes, bien sûr. Ok. Ah, ça marche. Voilà, je vous en prie. Bah, merci beaucoup. Alors. Bon, on va prendre là. C'est une petite dégustation de Chelo, je ne sais pas si vous connaissez. Vous en goûtez combien de deux? Ça fera 13,85€. Oui, elles sont très humoristiques, c'est assez sympa. Soit on le laisse très longtemps dans le cul. Donc le minimum c'est 2 ans. Ah, on appelle la fine, c'est la sortie avant 2 ans. En fait c'est prêt. On est plutôt à 41 pour son alcool. Donc, il y a un procédé qui s'appelle la. Donc, voilà pour vous. Au revoir, merci. Au revoir, bonne journée. Bon, j'ai acheté quelques souvenirs. Des sablés, c'est la spécialité normande. Et j'ai acheté du caramel aussi, c'est la spécialité normande aussi. Donc, ça, c'est du caramel. Donc, je vais ouvrir. Ouvrir devant vous, ben voilà, c'est du caramel comme vous le voyez. La vache, c'est Normandie, hein? Ben oui, ok. Des bonbons de souvenir du caramel, et voilà, ça c'est devant ma chaîne YouTube. Alors, je vais manger les petits gâteaux bretons. Donc, on est plusieurs. Je partage avec tout le monde. Voilà. Hop. Donc, celui-là, c'est au gâteau au chocolat, à la pomme, framboise, nature. Donc, j'ai goûté tout à l'heure. C'est sec, c'est gras. C'est un gâteau qui est lourd. Donc, après, on n'aura pas faim. Mais c'est pas très bon pour notre régime. Donc, de temps en temps, pourquoi pas, là je suis en vacances, je vais goûter, ça c'est la spécialité Bretagne. Donc, hop. C'est gras. À bientôt. Bon mes amis, n'oubliez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. C'était Zaki Short.